Nous allons voir maintenant comment exploiter notre formulaire. Donc pour rechercher les formulaires, il suffit de cliquer ici et puis de sélectionner par exemple tous les fichiers formulaires. C'est celui-ci. Donc ce formulaire identité est représenté sous la forme d'un tableur. Alors ce que l'on va faire maintenant, on va revenir sous sa forme de formulaire. Donc ici vous avez formulaire et vous avez la possibilité de cliquer sur modifier le formulaire. Donc là en fait vous reconnaissez la forme la mise en forme de ce formulaire et on va pouvoir le modifier. Si on veut revenir, eh bien, on peut ajouter un élément ou on le supprimer. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est de comment on va pouvoir exploiter ce formulaire. Alors on a plusieurs possibilités. On peut tout à fait déjà partager ce formulaire. C'est-à-dire que si je clique sur partager, j'ai la possibilité de partager ce formulaire via Google+, en ajoutant ici des contacts ou des cercles. C'est pas ce que l'on veut faire. Donc je vais fermer et revenir sur formulaire, modifier le formulaire. On a la possibilité d'envoyer ce formulaire par email. Par exemple, on va l'envoyer à cette personne. Et on va cliquer envoyer. Alors on va regarder du côté de la personne qui a reçu, donc je clique, j'ai bien reçu le formulaire, je regarde, et effectivement, là, j'ai le formulaire. Donc je peux, si vous rencontrez des difficultés pour envoyer ce formulaire, je peux le compléter en ligne. Alors on va faire ça, c'est plus simple. Je vais cliquer ici, et là, je vais pouvoir rentrer, par exemple, comme ceci, un nom, un prénom et un nom, en spécifiant que je suis un homme, partenaire, et puis on va mettre pas de remarque. Et on clique sur envoyer. Donc nous sommes revenus du côté du formulaire, on va fermer ce formulaire, et vous voyez que le formulaire vient d'être rempli automatiquement, à cette heure-là, avec ces informations. Donc votre formulaire se remplit directement dans une feuille de calcul et enregistre automatiquement la date et l'heure à laquelle il a été rempli. Si on veut revenir au formulaire, il suffit de faire modifier et on a le formulaire. Alors on a vu qu'on pouvait le partager par email, ce qu'on vient de faire. On a vu bien évidemment qu'on aurait pu consulter les réponses ici aussi, mais on peut aussi cliquer sur autre action et intégrer ce formulaire par exemple dans un Google site, dans son blog, simplement en copiant ce code et en insérant ce code dans son site internet ou dans son blog.